La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, représentant la première dame Indadébi Itno, a présidé hier à la Maison de la Femme la cérémonie de remise du prix littéraire Joseph Brahim Seyd, troisième du genre. Cette initiative vise à promouvoir les talents des jeunes écrivains tchadiens. La Charpé, Baba Médésiré. Le prix littéraire Joseph Brahim Seyd, initiative de l'Association pour le développement culturel ADEC, se veut un cadre pour contribuer à corriger la baisse de niveau scolaire. Il vise également à promouvoir le talent de jeunes écrivains. Pour cette troisième édition, il est demandé aux candidats d'écrire des nouvelles courtes allant de 15 à 20 pages. Les écrits sont portés sur des thèmes tels que la coexistence pacifique, les évolutions de la société africaine, la beauté de la nature, le changement climatique et la sauvegarde de la diversité culturelle, ainsi que l'entrepreneuriat de jeunes. Le président de l'ADEC parle d'une édition record. Trois prix spéciaux ont été remis aux lauréats de cette troisième édition du prix littéraire Joseph Brahim Seyd. Il s'agit du prix spécial jury offert par l'ADEC à Mademoiselle Mariam Mohamed Hadid. Ce prix vise à encourager le talent féminin. Le premier prix a été décerné à Ala Gayou Senek. Le deuxième prix a été remis à Mbaïbe Gentar. Et le troisième prix est octroyé à Lassem Bienvenu. Pour encourager l'ADEC dans cette initiative, la représentante de la première dame, Habiba Saoul Bagon Thiomé, affirme que le rôle d'un écrivain est aussi de promouvoir la paix dans ses œuvres. En contribuant à l'épanouissement et au rayonnement des activités culturelles, l'ADEC participe à la réalisation de la politique du gouvernement pour plus de brassage culturel et plus d'unité entre les fils et filles du Tchad. Pour les prochaines éditions, la représentante de la première dame et le président de l'ADEC ont émis le vœu de placer le prix littéraire Joseph Brahim Seyd dans l'organisation du mois du livre qui vient d'être initié par le ministère de la Culture.